Salut les amis, ça va? J'espère que tout va bien. Je voulais partager une petite classe de la présentation en espagnol. Je m'appelle Samuel, je me llamo Samuel, et je suis mexicain et je suis de la part de Puebla, Mexico. Et j'habite à Centreville, c'est ça? Et si vous êtes intéressé de parler à l'espagnol au Mexique, si vous êtes intéressé de parler en espagnol, l'espagnol mexicain, ça sera super que vous pouvez nous suivre. Je suis part de Café France Puebla et on va commencer avec la première classe, la présentation. La présentation, classe numéro 1. Questions, par ici, ils sont des questions, preguntas. Comment se llama usted? Comment vous appelez? Comment tu t'appelles? C'est comment ton nom? C'est comment te llamas? Quel est ton nom? Mi nombre es. Yo me llamo. Quel âge tu as? Quelle edad tienes? Combien de bon, quel âge tu as? Combien de années tu as? On peut dire comme ça. Mais mon première langue c'est la langue espagnole, c'est ma langue maternelle et j'ai acquis une deuxième langue en parlant en français. Aussi, on pouvait parler un petit en anglais. We could speak in English also if you are interested on it. And if you are coming here in Puebla, if you are coming here in Mexico, we could speak in Spanish, we could speak in French. On va parler en français aussi, on va parler en espagnol. C'est là, quel âge tu as? Quelle edad tiene? Tiene usted? Quelle edad tienes? C'est plutôt facile de dire quel âge tu as? Quelle edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Moi, j'ai 25. Tengo 25. L'autre question, c'est. Tu es marié? Est-ce que vous êtes marié? Estás-tu casado? ¿Está usted casado? Oui, mais oui, je suis marié. Je suis marié, Marie, je suis marié. Je suis casado, casada. C'est quoi ton nationalité? C'est quoi ton origine? C'est quoi ton nationalité? Quelle est ta nationalité? Je suis mexicain. Ou en este caso, comme on dit ici, je suis venezolano. Tu es célibataire? Tu es marié? Eres casado, eres soltero, tú eres celibatea, tú eres marié, yo soy soltero, yo soy casado, ¿no? Puedes decir casado, tú eres marié. Yo soy celibatea, yo soy soltero. ¿Qué te plaît? ¿Qué te gusta? ¿Qué te plaît? ¿Qué es que tú aimes? ¿Qué es que tú aimes? ¿Qué te gusta? Mais moi, j'aime le cinéma. A mí el cinema, a mí el cine. Mais moi, j'aime la lecture. A mí me gusta la lectura. Muy bien. ¿Qué es que vous voulez? ¿Qué es que vous voulez? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué es que vous voulez? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? Mais moi, j'ai envie de un glace. J'ai envie d'un glace, tu peux dire. A mí me gusta el helado. A mí me gusta, j'ai envie de la lecture. Me gusta. La lecture. J'ai envie de voir une vidéo, me gustaría ver une vidéo. Je vois envie de. J'aimerais bien voir la ville. Me gustaría ver la ciudad. ¿Dónde usted vive? ¿Où est-ce que tu habites? ¿Où est-ce que tu habites? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? J'habite à Puebla. Yo vivo en Puebla. J'habite à Paris. Yo vivo en París. Yo vivo en la Ciudad de México. Yo vivo en Cholula. C'est quoi ton profession? C'est quoi ton profession? Qu'est-ce que tu profession? C'est quoi ton profession? Quelle est ta profession? Mais moi, je suis professeur. Je suis professeur. Je suis étudiante de la langue en espagnol. Je suis étudiante de la lengua española. Bien, si vous aimez cette petite lection, c'est pour des personnes qui voulaient venir au Mexique. C'est une lection pour aquelles personnes qui veulent venir à Mexico et ya tienen su ticket. Vous avez déjà votre ticket d'avion. Vous pouvez, et si vous savez qu'elle va venir à Puebla, et si vous savez qu'elle vient à Puebla, Café Français vous ouvre les portes. Café Français les ouvre les portes. Et bon, si vous voulez plus de vidéos comme ça, vous êtes bienvenus. Si les gustaría más videos como este, son bienvenidos.